Chez vous, c'est important. Vous allez avoir ce matin une petite expérience artistique avec Anna, qui est une artiste d'art contemporain, qui a une démarche un peu particulière puisqu'elle invite des publics à participer avec elle à la création. On a un support transparent, deux plaques. Vous avez deux supports. Un a été réalisé hier. Et puis aujourd'hui, vous avez ces deux surfaces que vous allez co-réaliser avec Anna. Elle, de l'intérieur, et vous de l'extérieur. Vous, votre partie, elle est très simple. Ici, vous avez des adhésifs de couleur, des ciseaux, et on va vous demander de coller des formes sur le support transparent. Des formes que vous inventez. Des formes réalistes, des formes abstraites, ce que vous voulez. Vous faites appel à des choses un peu positives, des souvenirs, des envies, des caractéristiques, ce que vous voulez. L'important, c'est qu'en fait, personnellement, vous vous exprimiez autrement que par les mots, et de façon ludique et conviviale. J'insiste sur ce fait, il n'y a pas d'idée de performance, on n'est pas dans un séminaire de performance, on est dans une expérience de création artistique avec une artiste, dans un lieu pro. L'idée, c'est vraiment de faire un truc convivial, on a la matinée, vous pouvez mettre des petites formes, vous pouvez mettre des très grosses formes. Je vous le dis, l'œuvre après est exposée du côté d'Anna. Donc ce que vous allez poser en premier restera toujours au premier plan. Vous, en fait, plus ça va, plus vous allez monter des choses qui vont être dans le fond. C'est pour ça que vous pouvez très librement recouvrir des choses qui ont déjà été faites, parce que dès que vous avez posé une forme, elle est scellée. Des questions? Parce qu'à terme, on va en faire quelque chose. Oui, à terme, ça va être exposé. Non, l'idée, c'est de vous impliquer dans la décoration du site. Donc il n'y a pas de challenge de performance, par contre c'est un truc où c'est une façon de mettre un peu de votre personnalité sur les murs. Donc effectivement, c'est pour ça qu'il faut mettre des choses un peu positives et tout, qu'on n'est pas dans un environnement corporate. Vous faites partie de l'entreprise. Donc concrètement, ici vous avez des chutes. Pour ceux qui n'ont pas d'idée, vous pouvez commencer par coller des formes abstraites. Et puis ici, vous avez plein de rouleaux dans lesquels vous pouvez découper tout ce que vous voulez. Et est-ce qu'on peut voir ce que ça donnait dans les autres ou non? Non, parce que ça va vous influencer, c'est volontaire. Ouais. On ne veut pas, en fait, chaque groupe, normalement, vit différemment, donc crée différemment. On a des groupes qui nous font des très petites formes, on a des groupes qui nous font des très grosses formes, on a des groupes qui nous remplissent, on a des groupes qui nous laissent des gros vides. Et en fait, si on vous montre des choses, vous allez vous approprier et pas recopier, mais ça va vous influencer. C'est pour ça qu'on a recouvert un peu. Et l'idée, c'est qu'on vous laisse vous exprimer vraiment comme le groupe le voit. Donc, après, on vous montrera, bien sûr. D'accord? Eh ben, c'est à vous.